Lucie Kellec, je suis déléguée générale du pôle Médicène Paris Région, qui est le pôle de compétitivité santé de la région Île-de-France. Alors pour moi, c'est une vraie opportunité de structurer la filière, les acteurs et acculturer au changement qui est en train de se passer. Il y a une vraie émulation autour des thérapies numériques et il y a de gros, gros enjeux. Donc le plus on pourra informer, sensibiliser, acculturer et aller dans le même sens, le plus vite on pourra participer à cette révolution qui nous attend. Que c'est une des solutions de l'arsenal thérapeutique qu'il faut qu'on continue à développer, même s'il y a, je le disais, de gros défis, que face au vieillissement de la population, à la désertification médicale, à la chronicisation des pathologies, c'est vraiment un sujet majeur qui va nous aider à résoudre un certain nombre de problèmes, mais qu'il faut résoudre les problématiques de modèle économique, d'usage vis-à-vis des professionnels de santé, des patients, et aussi renforcer les collaborations entre les acteurs de l'écosystème, start-up industriels, acteurs publics et acteurs privés, liens avec les régulateurs, encore une fois, pour faciliter l'adoption de ces nouvelles thérapies. Alors chez Medicène, nous on travaille depuis un moment sur les thérapies digitales. Je dirais que 50% de nos nouveaux adhérents depuis 2 ans sont des acteurs de la santé numérique. Donc bien sûr, les thérapies digitales sont un enjeu majeur autour desquels on accompagne nos membres, donc des startups en particulier. Et ça fait un moment qu'on réfléchissait aux besoins de mettre toutes ces forces autour de la table pour avancer ensemble. On va créer un groupe de travail sur les thérapies digitales dans les semaines qui viennent. Et donc quand on a commencé à discuter avec Franck de tout ça, on s'est dit que ce serait vraiment parfait, que le timing serait le bon pour initier un partenariat et travailler ensemble pour mutualiser nos forces.